Que cher Ibrahim Afal nous accompagne et nous éclaire le chemin dans le travail pour Khadim Rasoul, jusqu'à obtenir son agrément et sa bénédiction. Que Khadim Rasoul nous dépose entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que le prophète a mené Khadim Rasoul devant le bon Dieu. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à nos parents. Accorde ta prière et ton salut au meilleur prophète, qui a dirigé les créatures par la bonne conduite, ô toi qui m'as préservé de la mauvaise conduite grâce à lui. Il est celui qui est au-dessus de tout autre que lui parmi les créatures, par sa bonne guidée, de sorte que son nom est gravé sur ton trône glorieux. Khadim Rasoul, de par son travail, sa sincérité et sa dévotion envers Allah et son prophète, a obtenu le plus haut grade et la plus grande récompense qu'un être humain n'ait jamais obtenue. Par ses écrits et par son comportement, il a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala comme personne auparavant. Il a enduré des épreuves qu'aucun être humain n'a endurées. Il a par conséquent obtenu ce que personne n'a jamais eu. Nous pouvons illustrer la place de Khadim Rasoul à travers l'histoire d'une entreprise. Un patron crée son entreprise. Une énorme entreprise composée de milliers de salariés, hommes d'entretien, ouvriers, chefs d'équipe, coordinateurs, chefs de secteur, directeurs adjoints, directeurs généraux, etc. Ce patron a un fils. Il est, si on peut dire, né dans l'entreprise. Il connaît toutes les ficelles du métier. Il a d'office la place la plus importante. Il seconde le directeur dans tout ce qu'il fait. Il est considéré par tous, de par son travail et son comportement exemplaire. Un employé parti de rien. Un ouvrier de l'entreprise, en bas de l'échelle, a travaillé dur de nombreuses années pour la satisfaction de sa direction. Il a gravi progressivement tous les échelons, jusqu'à être la fierté du fils du patron. Le fils du patron. Il a tant été honoré et respecté par cet ouvrier qu'il ne sait comment le récompenser. Il n'a pas le pouvoir de donner ce que cet ouvrier mérite. Il décide donc de l'emmener auprès de son père pour lui expliquer tout le travail qu'il a accompli, la dévotion et la sincérité dont il a fait preuve. Le patron dit : À la place que j'occupe, j'ai vu tout ce que cet ouvrier a accompli. J'ai vu le comportement exemplaire qu'il a et j'ai vu à quel point il t'a respecté et honoré. Toi, tu es mon fils et tu le resteras jamais. Personne ne t'est comparable. En revanche, cet ouvrier a désormais une place dans mon cœur tout comme toi. Il faut admettre qu'il est plus méritant que toi car il est parti de rien et est parvenu à accéder au degré le plus haut. Le fils, qui est très modeste, accepte et reconnaît la place que cet ouvrier mérite. Le patron a donné à l'ouvrier le plein pouvoir dans l'entreprise. Il peut donc, avec l'accord du patron, faire tout ce qu'il souhaite. Il peut embaucher qui il veut et payer comme il veut. C'est pour cette raison que certaines personnes disent que Serigne Touba te paye. Il a le plein pouvoir et l'entreprise lui est confiée. Le travail dans la voie de Khadim Rasoul. Le dépassement de soi. Dans la voie de Khadim Rasoul, le mouride devra constamment repousser ses propres limites et placer sa confiance en Khadim Rasoul. Il devra en effet lutter contre sa nefs, son ego, afin de parvenir à délaisser ses propres intérêts pour se consacrer entièrement au travail pour Khadim Rasoul. Ainsi, le mouride devra réussir à obtenir une grosse part. Une grosse part. C'est avoir l'idée d'une chose que personne n'avait faite auparavant, puis faire l'action avec sincérité, sans attendre de retour. Il s'agit de faire cette action exactement où le moment se fait sentir. Pour avoir une grosse part, il faut absolument réunir ces trois conditions. Sincérité, idée novatrice, moment idéal. Ainsi, le mouride pourra espérer obtenir la bénédiction de Khadim Rasoul, une bénédiction infinie dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Un résultat en fonction des intentions. Différents niveaux d'intention. Lors des différents maghel, célébrations, on peut observer un certain nombre de talibés qui participent avec leur matériel, puis attendent de voir leur marabout pour recevoir de l'argent.
certains talibés vont faire des ziyars, des dons, aux marabouts dans le but d'obtenir des bénédictions dans cette vie d'ici-bas. Exemple, travail, argent, santé, célébrité. Certains vont travailler pour obtenir la bénédiction du marabout, ce qui va leur permettre d'obtenir des bienfaits spirituels. Certains travaillent pour Khadim Rasoul sans rien attendre du marabout, pour qui ils travaillent tout de même. Ils voient beaucoup plus loin que les avantages que le marabout peut leur donner, bienfaits matériels, spirituels, responsabilités, être diaourin ou cher. Ils ne voient qu'une seule chose, être au service de Khadim Rasoul, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Gravir les échelons du mouridisme. C'est le travail, le service rendu, qui renforce la relation entre le talibé et le marabout, diaourin ou shir. Cette relation a toute son importance étant donné qu'elle indique clairement le niveau spirituel du talibé. Exemple, la relation d'un talibé envers Serin Abdoukarim Baké. Le talibé, par son travail sincère, va gagner au fur et à mesure la considération de son marabout, diaourin ou shir. La relation va donc se renforcer naturellement et le talibé va devenir plus proche de son marabout. On ne parle évidemment pas de proximité physique, mais bien d'une relation humaine sincère. On peut même parler de lien affectif qui peut se créer. Ce lien va évoluer en fonction du travail, des efforts et de la sincérité du talibé. Il va ainsi, par l'intermédiaire de son marabout, se rapprocher de Khadim Rasoul et donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va par conséquent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rapprochement dans cette relation permet donc au talibé de savoir qu'il évolue bel et bien dans la voie du mouridisme. Les différents outils pour travailler. Certaines personnes prétendent qu'ils ne peuvent pas travailler pour Khadim Rasoul ou bien qu'ils sont limités par leur manque de moyens. Cependant, ils oublient que pour travailler, ils peuvent utiliser différents moyens. L'esprit, l'intelligence, ou la force physique, ou les moyens matériels. L'idéal étant pour le travailleur de combiner ces trois outils et de les utiliser à bon escient, avec abnégation, sincérité et dévotion.